Déjà, il n'avait pas assez de nous à son actif. Deuxièmement, c'était un enfant qui était plutôt en reclus Yes. de la société. Et pas très, aucun langage. Hein, c'est à peu près ça. Oui. Hein. Aucun langage. Trouble de comportement, angoisse, Ouais. repli sur lui-même. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dialogue, il n'y avait pas. Paul avait 2 ans et demi, ensuite à une naissance, plus un déménagement, Paul a commencé à se recroqueviller sur lui-même, quoi. Il n'avait pas plus vraiment d'allant comme avant, ce n'était pas le petit garçon joyeux qu'il avait pu être. Et il était assez apathique, il pouvait passer son temps allongé, à jouer avec ses doigts comme ça pendant des heures dans les rayons de la lumière. Et puis, quand on lui demandait, tiens, pour m'aider à faire ci, comme tous les enfants de 2 ans et demi aiment faire, souvent l'imitation, Paul n'y répondait pas. Hugo est né au début janvier, et puis après 5 semaines, il a fait ses premières crises d'épilepsie. Donc il a été hospitalisé en urgence à l'hôpital des enfants à Bordeaux, et au bout en fait de trois jours d'examen, on savait que Hugo avait une maladie génétique rare. Ça s'appelle une sclérose tubéreuse de Bourneville. Et que à cette époque-là, on savait que le seul truc qu'on pouvait observer, c'était ces crises d'épilepsie qui étaient quotidiennes, et il en avait plusieurs dizaines par jour, quoi. Dès l'âge de 2 ans, bon, mais Clémentine ne parlait toujours pas. Et puis, brutalement, on peut dire qu'elle est passée d'une période où elle était plutôt dans sa bulle à un moment où il y a eu beaucoup de crise un petit peu de violence, d'agressivité, parce que quand on commençait à lui dire à l'âge où on est un enfant, ne fais pas ça ou ne touche pas ça, c'est comme si elle ne comprenait pas ou la consigne qu'on lui passait et comme si elle ne l'acceptait pas. La seule question que Fabienne a posée, c'est est-ce que mon enfant ira à l'école plus tard normalement comme les autres? Et là, on lui a répondu, vous savez, des X fragiles, il y en a tous les jours. Il y a le cas le plus sévère, le cas le moins sévère. Et nous, on a passé toute la nuit du 24 décembre, parce qu'on a su ça le 24 décembre au soir, donc tout le monde était pressé. Et on a passé toute la nuit du 24 décembre dans les livres à chercher ce que c'était, sans trouver. On a d'abord pensé à un problème de surdité, là. Et en fait, on a tout de suite pensé à des troubles autistiques ou des troubles de comportement, puisque au niveau de leur développement moteur, intellectuel, etc., il y avait une grande différence. Et Coralie avait beaucoup de problèmes de relations avec son papa, sa maman et physiquement, sa sœur. elle était aussi physiquement Très différente, marquée très marquée physiquement. physiquement, ouais. Ah ouais. Le premier à avoir détecté le problème, ça a été le médecin traitant, le docteur Audouin, mais ce n'est pas lui qui a posé le diagnostic. Il a trouvé le trouble du comportement sur Thomas, et là, il nous l'a orienté vers l'hôpital des enfants à Bordeaux, vers le docteur Fontan, Oui. qui a vu Thomas et qui avait déjà un soupçon sur un X fragile ou sur de l'autisme. Enfin, on ne nous avait pas encore précisé le On ne nous mot avait pas passé de le mot de la, sur l'handicap. Il a fallu attendre et puis avec tout le chemin qu'on a suivi envers des spécialistes et il n'y avait jamais eu de mots sur cet handicap. Après, on a connu le professeur Mouva à Charles Pérez et là il nous a dit franchement ce que l'enfant avait, ce qu'il avait, c'était l'autisme et ce qui. Voilà. D'entrée, au bout de 5 semaines, on savait que notre enfant ne serait pas comme les autres enfants par rapport à d'autres parents qui, pendant 1 an ou 2, peuvent avoir l'image de leur enfant idéal tel qu'ils ont toujours souhaité l'avoir. Nous, d'entrée, on savait qu'on n'aurait pas ça. Par contre, on ne savait pas après toutes les conséquences que ça aurait, quoi.
Aurélie avait 5 ans, je crois, avait 5 ans quand on a pu faire le diagnostic. Et donc on savait à quoi s'attendre, quoi. On savait les répercussions, voilà, les répercussions que ça pouvait avoir sur le quotidien. On était déjà préparé, puis on l'a vécu pendant son enfance, et donc voilà, quoi. C'était un complément, c'était indispensable pour... On le vivait déjà depuis 5 ans, quoi, en fait. Oui, et puis pour l'avenir de Coralie, il était indispensable de savoir réellement... D'avoir un mot, étiquette, une maladie pour avoir une prise en charge adaptée, voilà, en fait. Et une orientation adéquate pour l'avenir de Coralie. Et même par rapport à notre cheminement personnel en tant que parent, pour accepter le handicap, etc., c'est vrai que le fait d'avoir un nom pour une maladie, ça aide quand même. J'ai fini par aller voir une psychanalyste sur Bordeaux qui nous a réellement aidés, en tout cas moi, parce que Paul avait des comportements complètement déroutants et je ne savais absolument pas y faire face. Mais elle aussi disait que c'était une légère psychose et que Paul était au fil de tomber d'un côté ou de l'autre et qu'on allait l'aider à reprendre la bonne trajectoire. Mais c'était pas de l'autisme, tant mieux. Ça a bien duré un an et demi qu'on la voyait, non ? Où j'ai fini par dire, je suis désolée, moi, avec tous les livres que je lis sur l'autisme, je trouve que mon gamin, non seulement il est autiste, mais je dirais même, quel type d'autisme ? C'est autisme secondaire à régression, c'est tout à fait ça. Et elle m'a dit, c'est bien, vous l'avez trouvé vous-même, voilà. J'ai dit, comment ça ? Quand je vous ai demandé, vous m'avez dit que non. Non, je ne voulais pas l'étiqueter pour ne pas cristalliser son état et tout. Bon, je lui ai dit, c'est ridicule, parce qu'on aurait peut-être pu aller dans des démarches plus pointues, en sachant exactement ce qu'il avait. Quoi. La prise de conscience de la gravité du handicap, c'est faire deux temps, en quelque sorte. D'abord, lors de la rencontre avec le premier diagnostic, même si on ne nous l'a pas dit à ce moment-là, on ne nous a pas parlé d'autisme, qui a été fait donc à Champs-Pérès, où je me souviens, la pédopsychiatre n'a pas voulu prononcer le mot d'autisme, je trouve ça d'ailleurs un peu regrettable, mais simplement lorsque je lui ai demandé si c'était grave, elle m'a dit c'est grave, c'est pas grave, 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 je me souviens de ces trois grave, grave, grave. Voilà. Donc je me suis dit, si c'est pas grave, 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 ça peut être grave, grave. Et bon, pour dire quand même que y a encore beaucoup à faire sur l'appréciation et sur la communication aux parents. Et le deuxième stade, ça a été durant l'année qu'on a passé à Cadillac de nos rendez-vous réguliers au CMPI, la jeune pédopsychiatre qui était là, à un moment donné, je me souviens, lui avoir demandé, au bout de quelques mois de rendez-vous, deux solutions. Soit dans deux ans, la petite parlera, on aura dit que c'était simplement un retard mental, intellectuel, mais qu'elle va rattraper peu à peu, et ça sera qu'un mauvais souvenir. Soit c'est un handicap véritable, qui va donc, bien sûr, l'handicaper toute sa vie. Je me souviens qu'on avait formulé devant elle cette alternative-là. Voilà. Et que là encore, il a fallu... arraché un petit peu, à un moment donné, auprès de cette jeune pédopsychiatre qui connaissait le diagnostic qu'avait fait sa collègue de Champéret, lui arracher. Enfin, c'est elle qui nous a parlé d'autisme, donc, après avoir insisté pour savoir un petit peu ce qu'il avait été. Petite, en fait, il y avait beaucoup de problèmes de balancement, de stéréotypie. Même d'automutilation, elle se tape beaucoup la tête par terre, contre le carrelage, etc. Troubles du sommeil. Beaucoup de troubles du sommeil, très très importants. Une souffrance intérieure. Enfin, voilà, c'était plus une souffrance intérieure. Un isolement. Du fait qu'elle ne peut pas communiquer, elle ne parle pas, en fait, elle exprimait à sa façon. Et sa façon, c'était plutôt la... L'isolement, le retrait. Voilà. Alors pour ce qui est de Clémentine, on peut parler de
déficit dans la communication. C'est-à-dire que Clémentine parle, mais elle n'a pas un langage toujours très fonctionnel. Son langage n'est pas toujours compréhensible ou forcément fonctionnel dans le sens de la communication. Après, on peut parler de difficultés d'interaction sociale, c'est-à-dire que par moment, quand elle est en relation avec les autres, elle n'est pas toujours dans une relation sociale adaptée. Voilà. Soit quand on lui parle, quand on s'adresse à elle, quand elle va essayer de répondre. Ou alors elle n'est pas en relation. Ou alors elle n'est pas en relation du tout. Et un autre point assez important, c'est la difficulté d'avoir des centres d'intérêt un petit peu élargis en termes ludiques ou en termes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a souvent des intérêts réduits avec les mêmes activités qu'elle redemande sans arrêt. Voilà. Et après, pour ce qui est de Clémentine, des difficultés liées au trouble du comportement. C'est-à-dire quand elle est dans la difficulté de se faire comprendre ou qu'elle ne saisit pas ce qui se passe dans une communication, elle peut être des fois dans l'agressivité ou dans la colère. Voilà. Parce qu'elle est très active et elle peut manifester les choses de manière un peu plus violente. Alors bébé, c'est comme l'autisme. C'est voilà, c'est tu vis dans un monde à part. C'est de l'automutilation. C'est du répétitif. Voilà, et ne fais attention à personne, ni dans son monde. C'est difficile de résumer toutes les difficultés qu'a eu Beau dans la vie. Un des principaux problèmes qu'il a, c'est que cette maladie, cet aspect d'une forte épilepsie, va jouer sur tout le reste de la journée. C'est-à-dire s'il a une crise importante, il va être des séries de certaines semaines ou de certains mois suivant son évolution, et il va pouvoir avoir des périodes où il est extrêmement fatigué tout le temps. Et donc, eh bien, il ne sait plus marcher du tout, ça peut arriver qu'il ne marche plus du tout pendant une semaine, qu'il ne parle pas du tout. Des fois, c'est même allé jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus manger, avaler, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement variable. Il y a des jours où on va avoir un petit pépère qui court dans tous les sens, Yukaidi, Yukaida, qui va être très bien dans la communication, qui va vouloir travailler, qui va vouloir avoir plein d'activités. Puis on a d'autres jours, comme le jour de ses 10 ans, il était couché sur le canapé, il était incapable d'un seul geste, pour ne serait-ce que pour lui faire déballer ses paquets, il a fallu le caler dans des coussins. On l'a dit, il faudra bien le dire à tout le monde pour que tout le monde le sache et que chacun prenne conscience que c'est un problème génétique. C'est soit d'un côté ou soit de l'autre dans la famille. Sans trop savoir vraiment si ça venait d'un cas ou de l'autre. C'est à toi. Et ma belle-mère m'a dit en face à face, à table, m'a dit, vous avez qu'à dire que c'est de mon côté qu'on est taré. Comme ça. Et là, j'ai dit, vous savez pas, vous avez un petit-fils, le jour où vous aurez envie de le voir, vous viendrez le voir à la maison, parce que je l'amène plus chez vous. Si c'est pour qu'il soit refusé mentalement, c'est pas ça. Au niveau famille, bon, déjà le fait qu'on était une famille nombreuse, pas 5 enfants, plus Paul, tout ça, moi j'ai un caractère un peu volcanique, enfin bon, nous sommes séparés. Alors je dis pas c'est que de la faute de Paul, hein, je sais pas. Mais bon, Paul ça n'a pas aidé, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y avait des fois, ça me sortait tellement par les yeux, et je me disais je me casse, je lui laisse le gamin, puisque lui il voit pas où est le problème. Je lui laisse et moi je m'en vais. Donc ça veut dire que le restaurant c'est plutôt l'été dans des petits trucs type snack où elle peut bouger, elle peut se lever. Ou dans des terrasses. Dans les terrasses. Avec les gens. Le ciné on a déjà tenté deux ou trois fois. Il y a eu des moments heureux, des moments un peu plus difficiles où il a fallu partir de la salle de ciné rapidement pour pas gêner. Pour pas déranger les autres, quoi, en fait, c'est ça aussi. Après, il y a des lieux publics, quand il y a des manifestations importantes où il y a beaucoup, beaucoup de monde, ou bon, carnaval, des choses où il y a du bruit, où il y a des enfants qui crient, qui jouent, où il y a des mouvements.
où là, ben, parfois on arrive à le faire, et puis parfois on est obligé de s'échapper très vite parce que Clémentine n'est pas bien, parce qu'elle crie, parce qu'elle pleure, parce qu'elle hurle, parce qu'elle commence à pincer les gens. Voilà, donc il faut s'adapter à ça. Il faut faire un sacrifice autant d'un côté que de l'autre au niveau du travail. Parce que ben, ils ont un suivi, ils ont des rendez-vous, ils ont. Très peu de charge à l'école. Et c'est vrai que c'est pas tous les patrons qui vont dire bon, prendre ton après-midi si tu as besoin d'aller l'amener à Bordeaux. Quoi. Moi je sais que j'ai reçu une lettre de mon patron me disant que c'était la dernière fois que je prenais un jeudi matin. Voilà. La seule et unique fois, parce qu'il a un bilan à l'hôpital des enfants, mais c'est que le jeudi matin, une fois dans l'année, et je ne peux plus avoir ce jeudi matin. Et voilà, oui, c'est. Disons que moi je travaille à mi-temps pour pouvoir le reste du temps m'occuper de Paul. Pour me libérer pour. Moi, c'est une boîte assez importante, on travaille en 3-8. Moi, j'arrive à me dégager de mon temps de travail pour pouvoir justement l'amener à ses rendez-vous. Alors, au niveau de l'argent, c'est vrai que si j'avais pu travailler à plein temps, on s'en sortirait peut-être mieux. Certainement mieux. Oui. Mais bon, c'est vrai que Paul n'étant intégré qu'un quart-temps par semaine à l'école, le reste du temps, il est avec moi. Quoi. Sans compter que les tenues vestimentaires, tu les changes régulièrement parce que Paul mange tous ses vêtements. Oui. Bah en temps, on peut pas. Non, il n'y a pas de temps. Ouais, on ne peut pas quantifier. Ouais, le temps d'un enfant handicapé ou non handicapé, je veux dire, c'est le même. Je veux dire, il faut être peut-être plus à l'écoute avec Coralie qu'avec les autres. Bon, les autres aussi, on est à l'écoute, bien sûr. Mais en après, temps, ça dépend de qui pour toi, peut-être moins de temps que moi. Parce qu'elle, quand même, elle demande plus de choses à, voilà, après, ça dépend à sa maman que. Enfin, elle ne demande pas les mêmes choses à sa maman qu'à son papa. Bah, les relations sont différentes entre la mère et le père. Et moi, elle a beaucoup plus d'exigences quand même. Oui, toujours plus d'exigences. Parce que c'est toi qui t'en occupes plus au quotidien. Oui, voilà. Ça, c'est sûr. Moi, déjà, il m'a coûté mon salaire. Ça commence comme ça. Ensuite, au quotidien, un enfant comme Hugo, bah, ça coûte cher, par exemple, dans certaines prises en charge qui ne sont pas remboursées. Donc ça, c'est un très gros budget pour nous. Ensuite, dans son quotidien, encore plus quotidien, je dirais, bon, Hugo, par exemple, à 10 ans, n'est pas propre. Prenez le budget couche d'un enfant comme Hugo, c'est énorme. La seule fois où je l'ai comptabilisé de façon précise, ça m'a cassé le moral pour 15 jours. J'ai arrêté depuis. Donc oui, un enfant comme Hugo, d'autres enfants handicapés, ça coûte cher dans le quotidien parce que beaucoup de maladresses, donc beaucoup de choses brisées, déchirées, arrachées, cassées, pour des choses comme les prises en charge. Pour les vacances aussi, c'est un détail, mais avec Hugo, on ne va pas partir en camping. C'est pas possible. Si on veut partir, il faut une maison. Avec un enclos. Avec un jardin fermé. Un jardin assez grand et fermé. Donc déjà, si on veut partir, faut louer une maison avec un jardin, etc. Pour eux, c'est un enfant qui, si on ne le met pas dans un milieu spécialisé, ne s'en sortira jamais. Ils voyaient que de l'hôpital de jour, et puis ils pensaient pas que nous-mêmes, on pourrait arriver peut-être à... C'était plutôt ça. Ils voyaient que les institutions, pour tout en nous disant quand même que c'est un enfant qui, même le psychiatre, ouais, quand il était sur Bradou, c'était même... c'est un enfant qui n'écrira jamais, c'est un enfant qui ne parlera jamais, c'était du négatif. Tout était négatif. Quand ces personnes ont des doutes, c'est arrivé assez fréquemment aussi qu'on soit lâché par une ou l'autre personne parce qu'il ne s'y met plus capable d'apporter quoi que ce soit. À chaque fois, c'est un drame. C'est à chaque fois un abandon, une souffrance pour nous, pour Hugo. À chaque fois, une remise en question de tous les progrès qui ont été faits. C'est à chaque fois extrêmement violent quand une institution ou un soignant dit ben voilà, moi j'ai atteint ma limite, je ne sais plus quoi faire, je vais arrêter. Et en général, c'est comme ça, ils ne transmettent pas le cas à un collègue.
c'est voilà, moi je ne sais plus quoi faire, vaut mieux qu'on arrête. Je ne lui apporte rien, donc je ne sers à rien. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est quand même une difficulté. Première difficulté, c'est se demander nous-mêmes, en tant que parents, alors qu'on n'a peut-être pas cette compétence, de savoir si telle prise en charge doit être proposée à Hugo ou pas. Ensuite, trouver la personne qui voudra bien la proposer à Hugo, et parfois même aller jusqu'à guider cette personne dans cette prise en charge. Et là, c'est quand même le monde à l'envers. Et c'est là qu'on se dit que le système de prise en charge en France des enfants tels qu'Hugo, il y a quand même une carence énorme, une carence au niveau de la coordination, au niveau de la recherche des adresses, des gens compétents, etc. Il y a des vides énormes auxquels les parents sont confrontés. Et alors qu'ils ont déjà 3 tonnes de problèmes sur la tête, doivent en plus gérer ça. Alors que ça serait aux institutions à mettre en place des systèmes qui seraient là pour coordonner les prises en charge des enfants dans le cas où ils n'ont pas de prise en charge adaptée dans un centre, filer les adresses, pouvoir organiser les emplois du temps des enfants, etc. Et c'est à chaque fois aux parents à faire ça, alors que pour un enfant ordinaire, ça n'existe pas. Pour nous, en l'occurrence, je pense que tous les IME sont comme ça. Après, je ne suis pas allé visiter les IME dans le sens où celui qu'on a trouvé pour nous correspond tout à fait à notre demande. Mais là où est Coralie, effectivement, il y a une écoute, il y a une équipe éducative, il y a un pédopsie, il y a une prise en charge adaptée, et pour l'enfant, et pour les parents. Elle a envie d'y aller, les parents ne sont pas exclus, et on a un bilan tous les 3-4 mois, fait, et on a une prise de rendez-vous. Et on peut y aller quand on veut. On peut y aller quand on veut, et on a un suivi qui... ce qui est bien dans un IME, c'est qu'ils suivent et l'enfant, mais ils suivent aussi les parents. L'évolution des parents, ils sont à l'écoute quand même de... Enfin, des parents et de la famille, en général. Et je trouve que c'est bien. Si on compare à la Scandinavie, si on compare au Canada, si on compare aux États-Unis, si on compare à beaucoup d'autres pays, à la Belgique, on est vraiment sous-développé en France. Et parce qu'on est sous-développé, il faut savoir que qu'encore actuellement, et en tout cas la génération des adultes autistes en France, c'est épouvantable. C'est pour beaucoup l'hôpital psychiatrique à vie, parce que la génération des adultes en général n'a pas connu de prise en charge éducative quand ils étaient enfants. Hein. Donc c'est l'hôpital psychiatrique à vie, ou alors c'est avec le vieux papa et la vieille maman, jusqu'à un placement incertain à l'hospice. Donc c'est vraiment l'horreur, quoi. C'est vraiment l'horreur. Donc maintenant, ce qu'on espère, c'est que il y a quand même des choses qui bougent depuis les années 80 en France, qui ont été balisées 80-90. Il y a une loi en 96 qui est parue, qui pose l'autisme comme un handicap. Il y a un certain nombre de choses. Et donc, il y a à la fois un développement de ce qu'on appelle l'intégration scolaire, hein, et d'autre part, un développement du nombre de places à l'établissement spécialisé. L'idéal pour ces enfants-là étant de pouvoir se promener entre ces deux univers, enfants et adolescents, entre l'univers ordinaire de l'école et entre l'univers de l'établissement spécialisé. D'avoir une prise en charge complémentaire, c'est l'idéal. Donc ça devrait nous faire des adultes plus autonomes que la génération précédente, en quelque sorte. Et donc des adultes pour lesquels plus autonomes et des adultes bénéficiant de places à l'établissement spécialisé où on va continuer, même alors qu'ils sont adultes, qu'ils ont plus de 20 ans, où on va continuer à leur proposer des activités pédagogiques, éducatives, etc. Parce qu'il faut savoir qu'ils mettent beaucoup plus de temps que les autres. Donc ils méritent d'être dans la pédagogie et l'éducatif jusqu'à 30 ans. Tout le temps. Voilà. Il y a beaucoup de lois qui existent. Mais qui ne sont pas appliquées. La scolarisation des enfants. L'école auto-obligatoire. Je ne pas, mère. Si on pouvait se regarder à la maison, c'est oui. Alors, mon chéquier, Marie, il va manquer à l'école. Deux jours après, j'ai une lettre. Du collège. Du collège me disant avec un avertissement. C'est pas quoi.
en me disant d'expliquer pourquoi elle n'est pas à l'école. Je ne vais pas la mettre pendant un mois, personne ne va m'envoyer de lettres pour dire pourquoi elle n'est pas à l'école. Bien sûr. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Maître. T'as rien que mal. C'est alors des fois, alors mettant quand il faut les lois sous les yeux, qu'on leur fait comprendre que de toute façon on ne peut pas nous refuser. Donc même si c'est pas même si c'est qu'un temps partiel, ils vont nous prendre. Pour nous, c'est une ouverture déjà, une connaissance de l'enfant envers ses camarades, et puis une connaissance dans sa commune, au sein de sa commune, et puis lui-même, ça le fait progresser. Il n'est pas gêné en lui-même envers les personnes qu'il peut affronter dans sa commune. Au début, il a eu des problèmes pour le mettre, pour l'intégrer. Heureusement, il faut c'est pas faute de l'institutrice, parce qu'il faut elle connaissait pas le problème de l'handicap de l'autisme. Donc, déjà maternelle, un premier rejet, c'est-à-dire que la famille, on nous a dit des mots un peu méchants, et nous, comme on était en deuil, et l'incompréhension de ce problème, on l'a même retiré de l'école, qui était maternelle. Puis, l'année après, c'est quand même, point de vue scolaire, ils nous l'auront pris avec peu de temps, mais il y a eu toujours une progression. Oui, jusqu'à peut-être maintenant, ce que nous changeons, les filles. Voilà. Et toujours une progression jusqu'à en CM2. Et les trois dernières années, il y a eu même une auxiliaire de vie. Ce qu'on regrette de ne pas l'avoir eu depuis le début. Voilà. Ça aurait dit les autres institutrices qui étaient avant nous. Et maintenant, bon, il a changé en UPI et on est quand même satisfait de ce qui s'est passé. Mais il a fallu constamment ce qui est dommage, c'est qu'il faut toujours se battre et on a toujours peur de chaque année, chaque étape, mettons chaque reprise de l'école, toujours se poser des questions. Combien de temps est-ce qu'on va nous le reprendre? Il y a plein de questions. On est toujours sur le qui vive. Voilà. Il avait 4 ans et demi, 5 ans avant qu'on fasse notre première tentative. Il a été pris en petite section. Donc ça posait un petit problème parce qu'il est assez grand. Il était beaucoup plus grand que la plupart des enfants, mais il a été pris en petite section. Par une enseignante très expérimentée qui a voulu non pas intégrer Hugo mais faire progresser Hugo et amener à tout prix Hugo au même niveau que les autres enfants. Et ça a été le début d'une grande incompréhension et d'un drame important pour tout le monde et surtout pour nous comme on va le voir et pour Hugo. Puisque en fait elle s'est assez vite rendue compte qu'elle n'arrivait pas et que Hugo resterait d'une certaine façon un échec personnel pour ses compétences. Et petit à petit, ça s'est de plus en plus mal passé pour elle et dans sa tête et pour Hugo. Un jour, une procédure de demande de réorientation dans un centre spécialisé a été faite sans qu'on nous en ait parlé à l'avance. Et donc, on a été placé devant le fait accompli. Nous avons vraiment, c'était un samedi matin, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord avec ce procédé qui consistait à nous mettre devant ce fait accompli. Résultat, le lundi, nous recevions une lettre de convocation et le mardi après-midi, donc en 4 jours, Hugo était le centre d'une réunion où il y avait pour une fois une vingtaine de personnes. Tout le monde était réuni pour clairement dire, voilà, Hugo ne sera plus scolarisé. Il faut téléphoner à d'autres écoles du coin pour savoir si on prendrait votre fille. Et nous voilà partis donc à essayer de vendre notre fille
à des instituteurs qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, dont on ne savait pas si l'équation personnelle ferait que l'apprendrait facilement. Donc j'ai fait ça deux ou trois fois, et puis après vraiment j'en ai eu marre, j'ai trouvé ça révoltant. Et donc je suis revenu à l'école de notre village, et après une discussion très, très franche et très avec la maîtresse, une section, celle-ci a accepté de prendre le témoignage, voilà. Bon, comme bien sûr le maître précédent, elle n'avait guère de point de repère sur le handicap autistique, nous à cette époque-là on avait commencé à travailler un petit peu dessus, et donc on a essayé de la soutenir, de l'aider à nous aider en quelque sorte. Voilà. Ensuite, elle est passée en grande section avec la directrice de l'école, elle était déjà plus intégrée, plus connue, et bien sûr, elle a refait cette grande section, elle n'était pas mûre pour changer d'école encore, et là, donc, nous avons recruté une auxiliaire de vie scolaire, mais là, ça aussi, ça a été une partie assez homérique, puisque la commission départementale de l'éducation spéciale, qui est chargée donc d'examiner les demandes d'auxiliaires de vie scolaire, c'était un corps qui venait de naître à cette époque-là, nous a refusé, il a fallu faire appel, il a fallu y aller physiquement avec une autre famille de Saint-Pierre-d'Aurillac, d'ailleurs nous sommes allés ensemble défendre la cause de nos enfants pour qu'ils puissent avoir une auxiliaire de vie scolaire et ainsi donc être scolarisés sans que la classe, le reste de la classe pâtisse de leur présence et de manière qu'ils fassent des choses bien sûr différentes de celles de leurs camarades en classe, parce qu'ils n'ont pas le même niveau, mais des choses intéressantes quand même. On a dû aller faire appel avec Patrick et Pascal Pago en 2001, et on a créé l'association en 2002. Dans nos têtes, c'était déjà en germe, hein. Oui. Depuis un an avant, on avait déjà commencé à en parler. Et on s'est rencontrés historiquement sur un marché, voilà. Sur un marché avec quelqu'un qui est devenu président de l'association Lucami, qui se trouvait être un collègue, une connaissance de boulot. Et puis on a appris en discutant, il a vu Hugo était avec nous, tiens, on avait un enfant un peu différent, il ne le savait pas, on n'avait pas spécialement parlé. Ils nous ont dit qu'ils avaient un enfant qui avait le même genre de problème et que peut-être ça serait bien d'en discuter, de se réunir. Enfin voilà. Donc quelques jours après, on a mangé ensemble. Et ça a été un choc incroyable, puisque donc on a mangé un soir. À 3h du matin, on était encore à table, à se parler, parce que pour la première fois de notre vie, en tout cas nous deux, on tombait sur des gens qui non seulement ne jugeaient pas, ça a pu arriver, mais comprenaient de l'intérieur ce qu'on vivait. J'ai une famille, François Arantou, toutes les familles, c'est vrai, on fait famille. Il y a même des choses qu'on se dit entre nous, qu'on ne dira pas forcément à notre propre famille, à chacun. Et on est vraiment unis, quoi, c'est vraiment... Et t'en as des amis, en fait, hein. Oui. À l'association. Ouais. Dans l'association, parce que c'est le... Mais alors dans l'association, ce sera peut-être les seuls amis qui... Pour ça que je dis amis, on n'aura pas été trahis. Voilà. Le mot est là. On a commencé à s'enseigner sur tout ce qui se faisait un peu alentour, hein, sur les autismes, dans la région et au-delà. Il y a un champion d'internet qui va chercher un peu partout tout ce qui se passe. Et puis arrivé qu'il fallait qu'on monte un projet, donc par rapport à tout ce qu'on a vu, etc. Donc on a monté un projet qui a été accepté, et puis voilà, c'est sorti. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des petites des réunions régulières, on parle tout des enfants, et puis par exemple, telle personne a fait telle chose qui était bien, donc on parle aux autres, et c'est intéressant, quoi. Alors, les membres de la commission de circonscription pré-inventaire et inventaire, par exemple, qui examinent le cas des enfants des écoles qui ont des difficultés, on est également membre d'un groupe en discol à l'espace académique. On fait partie donc d'instances au niveau départemental et au niveau régional. On fait partie aussi du comité technique paritaire, du comité technique régional sur l'autisme. Donc ça, c'est le côté représentation et défense des intérêts. Et enfin, quatrième
quatrième dimension qu'on a mis en œuvre il y a déjà 2 ans, enfin même 3 ans, dès le départ aussi, on l'a mis en œuvre, c'est essayer de créer un lieu ressource concernant l'autisme dans notre Sud-Gironde. Et c'est comme ça qu'on a été à l'origine de la création d'un institut médico-éducatif qui devrait voir le jour à peu près dans 1 an, grâce à la collaboration et à l'aide fondamentale de l'AEAEI, l'Association pour l'étude et l'action de l'enfant, pour l'étude et l'action concernant l'enfance inadaptée, qui a son siège à la Motte d'Andéron et qui a accepté de gérer l'Institut médico-éducatif spécial autisme qui va nous mêler à Saint-Macaire en fin 2006, début 2007. Sans l'assaut. On serait sans espoir surtout. On aurait des perspectives à long terme, puisque en gros, pour la plupart des enfants, dans le cas d'Hugo, on attend quelque part qu'une place se libère. Mais on habite dans le sud Gironde, une place qui se libère, ça veut dire à Bordeaux, ça veut dire encore éventuellement plus loin. Le problème, quand vous avez un enfant handicapé et que vous cherchez une place, il faut quand même qu'il ait le bon handicap. Alors, qu'il rentre bien dans les cases. Voilà, donc pour tel centre, il faut être comme ça, mais si vous êtes pas tout à fait comme ça, vous y rentrez pas. Donc il y a déjà ça, il y a le problème de la distance. Et donc s'il n'y avait pas l'association, pour nous, et au sens famille et au sens particulier pour Hugo, il n'y aurait pas d'avenir, il ne va pas pouvoir faire tel progrès parce qu'il n'y aura jamais cette prise en charge pour lui. Parce que même si en tant que parent on essaye de faire le maximum pour lui, on ne sera jamais orthophoniste, on ne sera jamais kiné, on ne sera jamais psychomote, on ne sera jamais éduxpé. Et on ne peut pas aussi être ses parents et être les parents de Nina et Lilou, et puis avoir un boulot pour gagner sa vie, etc. On a beau avoir la meilleure volonté du monde, on ne peut pas être toutes ces multicartes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée au début, c'est à l'hôpital des enfants, quand on nous a dit, mais vous savez, il y en a qui les abandonnent. Et là, je ne sais pas, j'ai eu comme une colère, quelque chose qui... c'est-à-dire qu'on pouvait repartir de l'hôpital des enfants sans Paul. C'était le message qu'ils essayaient de nous faire passer, quoi. Et c'est vrai que c'est... Une colère m'a pris et mais pour moi, c'était inimaginable, c'était pas possible de repartir sans mon fils. Donc non, moi, en tant que mère, moi, je l'ai toujours accepté, je l'accepte toujours. Quoi. C'est, ça, c'est même une question à laquelle, on ne devrait même pas me poser. Quoi. La seule chose que je sais, c'est qu'il a vachement évolué depuis l'âge de 2 ans. Il a fait énormément de progrès. Ouais. Donc on fait tout pour qu'il soit le plus autonome possible. Voilà, c'est essayer de le rendre le plus autonome possible. Et, qu'il puisse avoir de la communication, qu'il puisse avoir du langage, qu'il puisse avoir tout ce qu'on peut, tout ce qu'on espère lui souhaiter et qu'on voit qu'il y a des approches qui... Paul, recule. Qui veulent prendre quoi, au niveau du langage, au niveau du contact et tout ça. Mais là-dessus, on ouvre les portes, nous on s'ouvre pour que justement, pour lui donner tout ce qu'on connaît et aussi par le biais d'autres gens, quoi. Les personnes qui. Mais l'école, les commerçants. Mais bon, c'est marrant. Non, tu touches pas, amis, sors-toi. Quoi. De la famille, sors-toi. Les étudiantes, tout ça, c'est. Nous on donne plein de pouvoir à. Et on voit les résultats, parce que c'est vrai qu'en 2 ans, il a fait... Moi, mes angoisses au quotidien, c'est souvent le regard des autres, en fait. Souvent, encore, c'est toujours un peu difficile, surtout en grandissant. L'absence de langage, moi, ça m'inquiète beaucoup. Qu'elle le fait qu'elle ne parle pas du tout. Parce que là, j'arrive à répondre à ses besoins, qui sont des besoins de tous les jours, quoi. Manger, dormir, etc., comme à un enfant. Mais c'est vrai que quelquefois, elle a des demandes que je ne comprends pas forcément et qui sont
même si elle arrive quand même à s'exprimer d'une autre façon par le corps, etc., j'ai du mal quand même à quelquefois savoir ce qu'elle veut, et elle est très triste, quoi, parce qu'elle est en détresse quelquefois de ne pas se faire comprendre, quoi. Et j'ai peur qu'en grandissant, elle ait des choses nouvelles à verbaliser qu'elle ne peut pas verbaliser, quoi, qu'elle ne puisse pas verbaliser. Oui, ça, ce qui fait peur, c'est la préadolescence et l'adolescence. Voilà, ça aussi, il y a des problèmes un petit peu... On ne peut pas le gérer. Ça va venir vite, surtout. On ne peut pas le gérer maintenant, parce qu'on n'y est pas encore. La morphologie qu'elle a déjà, je pense que ça va aller vite. Ouais. Hugo ne va pas devenir un enfant ou un jeune adulte comme les autres. Hugo gardera son handicap, ne parlera pas. Tout un tas de progrès sont vraisemblablement amenés à venir, mais voilà, ce ne sera pas un enfant qui pourra s'adapter, un jeune adulte qui pourra s'adapter à une société normale. Donc il va falloir trouver quelque chose adapté à la vie d'un jeune adulte handicapé. Et là aussi, on ne souhaite pas que ce soit trop loin, on souhaite que ce soit le plus adapté possible. Donc on ne sait pas, on s'intéressera précisément à ça dès qu'Hugo sera arrivé à l'ESTAP. Mais quand je dis dès que, c'est vraiment dès que. C'est-à-dire que je pense qu'on soufflera quelques mois et puis on va s'intéresser tout de suite à voir comment vont se passer les choses dans 10 ans. Donc, point d'interrogation. Il y a des fois où tout ça paraît scandaleux et où tout ça. Où l'idée de l'avenir et de l'avenir adulte nous paraît très douloureux et très difficile. Et puis d'autres fois où on se dit que, la vie, c'est quand on voit les modèles d'autres civilisations, d'autres cultures, je pense à l'Inde, je pense à l'Orient, etc. La vie peut être plus contemplative qu'on ne pense, la vie peut être plus, n'est pas forcément celle qu'on a développée en Occident. C'est un modèle parmi d'autres. Et que si elle est dans un environnement humain favorable, épanouissant, elle peut avoir des grands moments de bonheur également. Et qu'elle a des grands moments de bonheur déjà. Elle les a déjà. L'avenir, c'est... Bon, on a un fils, et c'est que on se battra toujours, tout le temps, comme tous les parents, j'espère. Mais on se battra peut-être plus que les autres, comme on s'est battu actuellement. Actuellement, vers tout, que ce soit à la fin de scolaire les institutions, on s'est toujours battu, c'est vrai, peut-être à nos idées, c'est nos idées, peut-être, est-ce que c'est les bonnes? Bon, je pense qu'il y a toujours, il a progressé, donc il y a déjà des bonnes choses, on est quand même content. Mais l'avenir, c'est, j'espère que il fera sa vie d'homme, j'espère. D'adultes, comme nous, peut-être, avoir une copine, on ne sait jamais, un petit travail, c'est l'avenir qui nous le dira, mais on se battra pour ça. Allez jusqu'à elle. Allez jusqu'à elle. À vous.
petit choix.